سوى نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نفكت أن سادة جمعة إمام دي سادة جمعة si nous parlons d'un nika, nous pouvons imam là peut dire ça d'un nika, si nous pouvons dans un mayat, si vous pouvez faire une explication, nous pouvons dire wa na'udhu billah, ou ça wa a'udhu billah min sharri nafsi, nous pouvons dire ça, wa min sharri a'mali, wa min sayyati a'mali. Ça veut dire moi c'est protection avec Allah contre les mal qui sont dans mon nafs. Ça reconnaît sa phrase là. C'est une phrase que Rasoul Sam qui enseigne ça. Et sa phrase que Rasoul Sam a enseigné là, c'est une révélation depuis côté Allah. C'est sa même premier step dans purification de nafs. C'est un premier step pour un djimoun de nettoyer, parce qu'il dit besoin de nettoyer pour lui rendre la jannat. Qad aflaha man zakkaha. J'entends, wa shamsi wa duhaha, wa al-qamari idha talaha, wa al-nahari idha jallaha, wa al-layli idha yaghshaha. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها 14 الله في 14 سيما وانسويت آيات لا فيني قد أفلح من زكاها كي سكسي بو سيلوي كي الله ينبيريفيه سو نفس right parce que quand on purifie nos nafs l'aimé vient un nafs propre quand il vient un nafs propre de sa nafs ça c'est du bien qui sortit. C'est dit bien qui propage de la société. Et c'est lui qui a envie qu'il y purifie son nafs, qui est obligatoire de purifier son nafs, il est obligé de travailler pour lui purifier son nafs, pour lui réussir à purifier son nafs, numéro un, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, c'est reconnaître qu'il y a du mal dans moi, il y a le mal dans moi, reconnaître qu'il y a erreur dans moi. Si peine sa reconnaissance, si un djimoun, si un djimoun, il peut marcher dans la terre, il peut tout lire dans la jannat, il peut tout lire dans la jahannam, comment nous peut expecter qui s'a dit mon là, il pourra être une procédure de purification s'il n'est pas reconnaître qu'il y a le mal dans lui. Moi, c'est un hadith dans Jumma, je vous dis qu'Abu Bakr radiallahu anhu, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est le meilleur insan après ben Anbiya alayhi salam. Abu Bakr radiallahu anhu, il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, كيف الصلاح بعد هذه الآية? Il peut dire comment nous pouvons saper, comment nous pouvons ok, comment nous pouvons correct dans nos langages créoles après ça ayat Coran là. Qui ayat Coran? Ayat Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. Ça bout là, ça bout. من يعمل سوءا يجزى به veut dire, c'est lui qui fait un mal, il peut gagner sa rétribution, pour une réaction là. Là, Abu Bakr veut dire, c'est un qui n'a pas fait un péché, qui n'est pas pour faire le mal, il n'est pas pour désobéir. Alors, c'est un qui peine à pécher pour ne pas gagner sa rétribution. Non, ça veut dire, nous pour faire nous l'examen. Là, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya Abu Bakr, ghafar Allahu lak. Qu'est-ce qui a été dialogue là? Qu'est-ce qui a été causé là? Qu'est-ce qui a été causé que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui peut répondre à une fausse compréhension, à une mauvaise compréhension d'un sahaba qui appelle Abu Bakr, qui est meilleur insan, pas mettre insan? Comment lui répond ça? Il dit, ghafar Allahu lak, Ya Abu Bakr, qui a la peur d'un temps où Abu Bakr, sa compréhension qui te veut dire là, pas bon. Il dit, Allah, tamrad, est-ce qu'il te rend malade? Libéraux dit que quand tu es malade, ça va une maladie, ça va une difficulté qui touche toi là, c'est un moyen de purification pour ton nafs. De tout ça, reconnaître qu'il y a Abu Bakr, reconnaître là, il reconnaît un zafir. Et il y a encore beaucoup de riwayat dans ce sens là. Hadith Hamdallah avec Abu Bakr, Nafaqa Hamdallah, hadith Ma'rouf, qui Hamdallah aussi, il dit aussi un sahabi, il sentit qu'il y a un munafiq. Un sahaba vini dire un munafiq. Allahu Akbar. Nous de nos jours, du monde peut venir dans le bar, mais il dit à Jannat, tout le monde dit à Jahannam. Sahaba peut dire à moi le munafiq. Radiallahu anhu, alhamdulillah. Qui fait? Parce que dans la procédure de la purification, pour un djimoun, il nettoie lui, sur les quais et son as, premier step c'est quoi? Tu m'as fait dire? Reconnaissance. Quand il vous reconnaît, il vous vient humble. Quand il reconnaît, il vous fait tawba avec sirfar. Quand il vous reconnaît, il vous demande la doigt pour purifier. Allahumma, lala nous lia doigt qui Rasoul s'en vient enseigner nous. Allahumma, ati nafsi taqwaha, wa zakkiha, anta khayru man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Ça dure là, il fait dans le mizan ici même. Il vous demande doigt, ça doit que Rasoul m'a demandé. Allahumma, ati nafsi taqwaha, donne-moi nafs taqwa et purifie sa nafs là. Il vous demande Allah, parce que Allah tout seul qui purifie ma nafs. Allah tout seul qui purifie ma nafs. Moi, je peux faire mes efforts, enseigner le Coran de Sunna, mais sa purification là, Alam tara ila alladhina yuzakuna anfusahum. Balillahu yuzaki man yasha, c'est Allah qui purifie ma nafs.
Et comment Allah pour purifier, pour choisir blanc et noir, riche et pauvre? Non. C'est lui qui peut reconnaître ce irréel. Il y a le tombe dans Darbar Allah. Il y a le côté Allah qui dit Allah, ati nafsi taqwaha. Allah donne son nafs. Mais c'est lui qui dit il peut penser, il pense aux bonnes actions, à cause de ces bonnes actions-là. Il peut penser qu'il se aux bonnes actions qui fait ça. Ça dit mon nom, il peut aider dans l'akhirah.